When we were younger, you started all with a look you gave. I spread over and over among us. When we were younger, when we were younger, I had in mind to keep an eye. Won't you fill the room without a whisper? When we were younger, and I held my breath, and like it was my last one. But you stayed there right in front of us. You stayed there right in front of us. Bienvenue à tous et merci d'être présent en ce jour si spécial. Nous voici réunis ici pour célébrer le mariage de Jaina et Romain. C'est dans ce cadre idyllique du domaine des Hirondelles que vous avez choisi de vous unir. Tout d'abord, avant de commencer, les mariés se joignent à moi pour vous remercier tous d'être venus et ils ont également une pensée pour ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Du côté de Romain, on va penser à Arlette, à Paulette, à Jean-Marie, à Hugues et à Eric. Du côté de Jaina, à ses grands-parents, qu'elle appelle Némé, Asia Oumal, Tata Kassim Marika, Nana Yacoub Seyena et Nani. On pense très fort à elle. Jaina Romain, le 10 juin 2023, vous avez pris un engagement devant l'officier d'état civil de la mairie de Chilly-Mazarin. Votre vie de couple a ainsi été définie selon les règles légales et démocratiques. Le mariage civil est une cérémonie fondamentale car lui seul donne force et garantie aux yeux de la loi, aux devoirs, mais aussi aux droits des époux à l'égard l'un de l'autre, tels qu'ils sont prévus et définis par le code civil. Toutefois, cette cérémonie civile et formelle ne fait aucune référence aux sentiments qui justifient votre mariage. Or, ce sont ces sentiments qui, après avoir grandi et évolué, trouvent en ce jour leur consécration dans cette cérémonie d'engagement. Jaina, Romain, aujourd'hui, en compagnie de vos proches, vous avez voulu que votre union soit marquée, selon vos convictions et vos valeurs, par une cérémonie qui vous ressemble. Pour vous, le mariage n'est pas seulement la prise de responsabilité aux yeux de la loi, mais également l'expression des sentiments et de l'amour que vous vous portez. Vous souhaitez aujourd'hui témoigner devant vos proches de votre amour et des valeurs que vous partagez. Lors de nos différents échanges, j'ai pu apprendre à vous connaître et j'ai constaté chez vous une grande complicité, mais également une très belle complémentarité. Vous vous complétez l'un et l'autre et partagez les mêmes valeurs de respect, de partage et de bienveillance. Cette cérémonie est donc l'occasion de faire de cette journée un moment unique, tout comme l'est votre histoire, et de la faire partager, et surtout de faire partager le bonheur de vous unir. Famille, amis ici réunis, je ne vais pas les marier officiellement, mais les accompagner avec vous dans cette cérémonie qu'ils ont conçue à leur image, mais respectueuse de vos valeurs et de vos cultures. Sachez que vous êtes ici les bienvenus, et que rien ne fait plus plaisir à Jaina et Romain que votre présence en ce jour. Je vais maintenant appeler Kim et Ali, les parents de Jaina, s'il vous plaît. Ah là là.
Je vous remercie de votre présence au mariage de ma fille Jaina et Romain. C'est un grand bonheur pour nous et de les avoir se marier. Déjà l'année dernière et aujourd'hui, en partageant ce moment avec vous, Ali et moi sommes très heureuses et émues. Merci encore de tous mes voeux et de bonheur aux mariés. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, ça va être au tour de Patrick et Ninette, les parents de Romain. Romain, nous sommes aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui pour partager un moment d'émotion et de joie. Le jour de ta naissance, ce fut un rayon de soleil dans notre vie, Romain. Nous te remercions pour toute la joie que tu nous as procurée. Ta gentillesse, ta sensibilité nous font du bien au quotidien. Nous apprécions beaucoup le lien que tu entretiens avec Marielle et Antoine, à quel point tu es présent dans leur vie. Tu es leur grand frère. Depuis que tu as croisé Jaina, nous avons vu naître une flamme dans tes yeux. Elle n'a cessé de grandir. Jaina, nous t'accueillons de tout cœur dans notre famille. Nous sommes très sensibles à ta gentillesse, à ta sensibilité. Nous remercions tes parents, ta famille, pour avoir accueilli Romain avec tant d'amour sincère. Merci à nos familles et à nos amis présents aujourd'hui qui partagent ce moment d'exception. Nous avons une pensée particulière pour nos parents qui auraient tellement aimé être témoins du bonheur de leur petit-fils, uni avec Jaina. Nous vous souhaitons, Jaina et Romain, une vie remplie de joie, de bonheur, de tendresse. Nous serons toujours là pour vous. À vos côtés. Nous vous aimons très fort. Bonjour, je suis le gardien du sommeil de ces nuits où je lève mon rire. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Tout reconstruire, je laisse mourir. Maintenant, on va un petit peu parler des mariés. Cher Jaina, cher Romain. C'est lors d'un voyage au Canada que vous apprenez à vous connaître. Alors, en école d'ingénieurs, tous les deux à Amiens, vous participez à un séjour linguistique. Lors d'une soirée à Montréal, vous vous rapprochez pour la première fois. Nous sommes le 3 juin 2016. Ça passe. Et ça se passe déjà au loin. Quand je dis au loin, je ne crois pas si bien dire. Car c'est le contour qui va nettement définir et aussi façonner votre belle histoire, que vous vivez majoritairement à distance. C'est aussi cette formule qui vous emmène à bouger, voyager, explorer ensemble. Ce sont de fait, et d'abord, deux âmes de nomades qui se découvrent, s'explorent au contact l'une de l'autre. Votre ancrage, c'est votre amour. J'ajouterai aussi vos familles respectives, que vous rencontrez vite et qui vous accueillent chacun les bras grands ouverts. Pendant toute la durée des études, et juste après, Jaina, vous vivez à Paris, et vous, Romain, à Metz. Les premiers temps, vous voyez dans une ville, puis une autre, à Reims également, en Allemagne, pour un séjour avec vos proches. Dès le départ, vous apprenez à savourer ces instants rares et précieux. Être ensemble suffit à votre bonheur. Ces choses simples du quotidien sont vos trésors. Dans cet art de l'adaptabilité, elles deviennent votre plus grande force. En 2019, quel souvenir! Vous participez au 4L Trophy. Chacun révèle sa personnalité et vous découvrez ô combien vous êtes complémentaires. Jaina, la méticuleuse, s'est programmée, anticipée, planifiée les choses. Vous, Romain, vous êtes plus calme, la cool attitude. Apparemment, tout le monde est au courant. Pour autant, vous êtes aussi l'homme de la situation. En cas d'urgence, vous savez gérer.
Vous gérez le gros œuvre aussi, vous allez droit au but, vous simplifiez les choses. Jaina peut compter sur vous. Ensemble, vous trouvez l'équilibre. Cette harmonie que vous construisez tous les deux. Au-delà, bien au-delà de vos différences. L'année 2020 marque un grand tournant dans votre histoire, puisque vous décollez pour le Vietnam, pays dans lequel réside une partie de la famille de Jaina. Mais votre frère Romain aussi, cette coïncidence ne s'invente pas. C'est un road trip extraordinairement riche en émotions que vous partagez tous les deux, du nord au sud du pays. Vous aimez tellement ce temps passé ensemble. Alors au retour, dans cet aéroport de Taipei, votre cœur exulte, Romain. C'était si fort, c'était si évident. Ce jour, ce séjour, quand la voyant manger une sucrerie en forme de bague, vous vous dites, c'est le bon moment pour la demander en mariage. On savait pas ça. Alors en total impro, vous enfilez le bonbon autour de son doigt. C'est Romain. On peut l'applaudir quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on veut une demande comme ça. Bon, même si c'est pas une demande officielle, Jaina est contente tout de suite. Et croyez-moi, elle était très 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 émue. Cette même année, vous achetez un appartement à Metz. Faites les travaux ensemble. Romain profite même d'un retour de chez Grand Frais. Vous savez, magasin Grand Frais, où on achète du fromage, des fruits. Oui, on reste toujours dans ce domaine. Il profite d'un retour de chez Grand Frais pour glisser une vraie bague de fiançailles, cette fois une vraie bague, dans le sac de course. Alors vous imaginez la scène. Jaina range ses courses. Elle n'était pas prête. Elle trouve une bague. Je peux vous dire qu'elle n'est pas prête d'oublier ça, Jaina. Elle l'a mis dans le frigo. Elle l'a mis dans le frigo pour continuer. Et là, enfin, tous les deux, vous vous dites que vous êtes rassemblés pour de bon. Et pourtant, Jaina, vous ne trouvez pas de travail dans la région. Tandis que vous, Romain, vous êtes appelé pour un chantier à Fréjus. Décidément. Qu'à cela ne tienne. Une fois de plus, vous rebondissez. Et surtout, jamais, jamais ces éloigneront n'auront raison de votre amour, de votre complicité. Vous savez que le temps viendra. Alors en attendant, vous vous lancez à fond dans vos carrières respectives, tandis que le week-end, les vacances, vous vous échappez et profitez ensemble. Vous vous faites découvrir vos passions communes. Jaina, la citadine, férue de culture. Romain, le sportif très proche de la nature. Pourquoi vous rigolez ? Cela soulève parfois de légères résistances qui ont le don de vous faire rire. Je pense à Jaina Oski, par exemple, sur la piste noire. Ça me rappelle des souvenirs. Ou bien Jaina en trek dans la montagne. Un peu comme dans les livres de Martine, vous savez, Jaina Oski, Jaina en montagne. Votre complicité que j'ai pu observer lorsque vous m'avez raconté tout cela lors de nos entretiens, elle est particulièrement belle à voir. Il y a tant de joie dans votre couple. On en parlait tout à l'heure, Romain. Vous êtes protégé, on le sent. Votre ange gardien veille, c'est sûr. C'est sûr. Tant et si bien qu'en 2022, enfin, la vie quotidienne vous tend les bras. Ouf. Vous posez vos valises à Chilly-Mazarin dans votre chez-vous, le vrai. Vous travaillez en région parisienne l'un comme l'autre. Vous vous mariez donc à la mairie le 10 juin 2023 et nous voici réunis ici, aujourd'hui, pour célébrer tous ensemble votre union. Fraîchement sédentaire, ça y est. Chère Jaina, cher Romain, on vous souhaite de toujours savoir apprécier l'instant présent. On vous souhaite des tas de petits plats, des bons petits plats, que vous cuisinez ensemble et que vous affectionnez tant. On vous souhaite de continuer vos escapades, de voyager, de vous promener, de poursuivre vos passions, à chacun, avec l'autre, jamais très loin. Et je peux dire aujourd'hui que je nous souhaite, à nous aussi, de nous inspirer de vous. Il y a en effet une expression que j'aime particulièrement et qui, je trouve, vous ressemble beaucoup. Cherche les petites choses. Ce sont elles qui comptent. Merci de l'incarner avec tant de sincérité et de joie. Jaina, Romain, vive les mariés! Maintenant, vous m'avez assez entendu.
Jaina, Romain, vous avez demandé à certains de vos proches d'accepter d'être les témoins privilégiés de votre engagement. Ils ont tenu, en leur qualité de témoins, à vous exprimer leurs sentiments en juste retour de la confiance que vous leur avez accordée. Je vais donc maintenant les appeler afin qu'ils viennent se placer à mes côtés avant de prendre la parole. S'il vous plaît, Marielle, Antoine, Sarah et Cindy, approchez-vous. Alors, Marielle, Antoine, Sarah et Cindy, on va être un petit peu solennel, d'accord ? Vous engagez-vous à offrir à Jaina et Romain les conseils de cette expérience, s'ils le désirent, et de leur donner votre affection s'ils ont besoin de sympathie, de consolation ou de réconfort. Marielle, le promettez-vous ? Je le promets. Antoine, le promettez-vous ? Oui. Sarah, le promettez-vous ? Oui. Cindy, le promettez-vous ? Oui. Bravo, on peut les applaudir. Eh bien, c'est Sarah qui va avoir l'honneur de commencer. Je ne sais pas si c'est un honneur. Chère Jaina, en tant que ta sœur, je me réjouis sincèrement de ton mariage avec Romain. J'ai eu l'occasion de te voir grandir à mes côtés, vers la belle femme que tu es maintenant. Romain, tu es un homme chanceux, et c'est un grand réconfort de savoir qu'elle a un homme intentionné et qui la soutient à ses côtés. Donc comme je te l'ai dit, en fait, j'ai vu Jaina grandir à mes côtés, puisque c'est ma sœur jumelle, enfin, fausse sœur jumelle, du coup. On a grandi vraiment ensemble, j'ai pu voir donc à la fois pousser, enfin j'ai eu beaucoup de souvenirs avec elle, pas mal de défauts, comme beaucoup aussi d'atouts. C'est vraiment une personne exceptionnelle que je tiens vraiment, donc, enfin, qui m'est très 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 chère. Et c'est pourquoi je suis vraiment contente qu'elle soit donc avec toi, puisque depuis qu'elle te connaît, en fait, je ne l'ai jamais vue autant heureuse donc, de toute ma vie. Et j'espère que ça le sera aussi dans le futur. Merci. Cindy. Alors bonjour à tous et du coup vive les mariés. Alors nous sommes amis avec Jaina depuis maintenant 12 ans. 12 ans de confidence, 12 ans de fou rire, 12 ans de fortes émotions et de toutes ces belles choses qui font que notre amitié reste aussi solide. Merci Jaina pour tous ces bons moments et cette belle amitié. Depuis ta rencontre avec Romain, je te vois heureuse et épanouie à ses côtés. Tu as trouvé ta moitié. Et aujourd'hui, vous avez choisi de sceller votre amour auprès de tous vos proches. Je suis honorée de partager l'un des plus beaux moments de ta vie et d'être le témoin de votre amour. J'espère continuer à en être témoin pour toutes les années qui arrivent. Romain, tu as trouvé auprès de Jaina une personne belle, intelligente, douce et avec la main sur le cœur. Prends-en bien soin, elle mérite le meilleur. Henri Salvador disait, ce n'est pas tellement le mariage qui est merveilleux, c'est après. Alors Jaina et Romain, pour ces beaux jours qui s'annoncent, une nouvelle fois je vous souhaite à tous les deux tous mes vœux de bonheur. Prenez soin l'un de l'autre et soyez heureux. Romain, le grand jour est arrivé, celui où tu vas quitter notre foyer familial pour fonder le tien avec l'élu de ton cœur. C'est une étape naturelle et heureuse dans la vie. Non, stop, stop, tu vas quand même pas commencer comme ça. On dirait que c'est un discours qui sort d'internet. C'est une autre chose. Et regarde, Léa, elle commence à ronfler. Ah, bon, attends. Et c'est autre chose. J'ai trouvé autre chose. Alors, viens. Romain, c'est vrai. Je suis très heureux d'être ton témoin aujourd'hui. Je sais que les débuts ont été assez conflictuels. En même temps, avec 6 ans d'écart, on n'avait pas grand-chose en commun au début. Quand toi tu étais au lycée et que tu découvrais la vie d'adulte, moi j'en étais encore à jouer avec mes Playmobil. Malgré cet écart, je pense que nous avons réussi à nous retrouver par la suite. Tu as eu le temps de faire tes expériences avant de les partager avec moi.
Je me souviens encore des soirs où tu m'emmenais en soirée à Nancy, ou quand tu m'accueillais dans ta colocation avec Jérôme. Certes, les moments se font plus rares maintenant que nous avons chacun notre vie, mais je suis très content de toujours trouver des occasions où on peut se retrouver et partager. Je pense notamment à nos semaines à l'UCPA, à nos vendredis au badminton, même si ça fait 6 mois qu'on n'a pas été, ou encore notre petite virée gourmande le dimanche autour d'un brunch. Je dois avouer avoir été très touchée quand tu m'as demandé d'être ta témoin. Ce moment m'a rempli de joie, je n'en revenais pas. Quand je pense à toi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'amour d'un frère. Celui qui ne se compte pas, qui ne vous juge pas et qui vous rassure. Mais c'est aussi l'image d'un clown qui aime faire rire sa famille et ses amis. Tu as toujours été présent pour moi. J'ai toujours pu compter sur toi pour m'emmener en soirée lorsque je n'avais pas encore le permis. À ça, je vous assure qu'avoir un grand frère 10 ans de son aîné, c'est plutôt cool. Tu as toujours été présent pour moi. J'ai toujours pu compter sur toi. Tu as toujours été présent pour moi. La preuve, tu m'as emmené la première fois à mon premier concert, celui de Caravan Palace. Tu t'en rappelles? Tu es celui qui m'a gentiment hébergé chez lui pendant presque 2 ans. Tout ça pour que je puisse avoir un peu d'indépendance. Tu es celui qui répond le plus vite au téléphone ou qui me rappelle rapidement pour savoir si tout va bien. Tu es celui qui me propose de faire une soirée tous les deux à l'appart pour me remonter le moral après des examens. Ou tu es encore celui qui m'emmène, qui me dépose au bac en me chantant Alibaba à tue-tête. Je pense que nous pouvons nous accorder pour dire que nous sommes heureux d'être ton frère et ta sœur. Il n'y a qu'à voir notre complicité à tous les trois qui est assez rare. On tient à remercier papa et maman pour nous avoir éduqués dans un esprit de fraternité. Et grâce à ça, on est toujours assez proches. Nous avons partagé tant de moments ensemble, que ce soit nos voyages, nos soirées ou encore nos galères d'études. Mais ces expériences ont renforcé notre relation. Le fait d'avoir un grand frère de 7 ans et 10 ans notre aîné nous a pas mal guidés. On te remercie pour toutes ces découvertes musicales, ton esprit festif et ces moments de fou rire à nous entordre le ventre. On espère que cette complicité durera aussi longtemps que possible. Je pense qu'en général, tu as trouvé la personne qui te sera complémentaire, comme nous pensons l'avoir été pour toi plus jeune. En tout cas, nous avons tout de suite su que Jaina a été ta petite copine lorsque nous avons vu les photos sur du Canada. Tu n'avais pas besoin de nous le dire. Jaina, tu es une personne généreuse, attentionnée et qui a la main sur le cœur. Mais aujourd'hui, tu n'es pas que ça. Tu es la femme de notre frère. Mais tu n'es pas seulement ça aussi à mes yeux. Tu es une amie, qui plus est, une confidente avec qui je peux aussi bien avoir 5 ans d'âge mental que 25. Dans la même journée, on peut avoir l'idée d'aller se baigner sous la pluie et le soir avoir des conversations profondes. Pas besoin de te dire que tu es la bienvenue dans la famille. Je pense que tu l'as bien compris. On veut plutôt te poser la question si tu acceptes de relever le défi fou de faire partie de notre famille un petit peu barge. Il est incroyable de constater qu'il s'est déroulé déjà 7 ans depuis que vous êtes rencontrés et que votre amour est toujours aussi intact. En observant ceux qui vous entourent, il est évident à quel point votre bonheur rayonne et inspire. Aujourd'hui, vous avez réussi à rassembler tant de personnes pour célébrer votre histoire d'amour. Nous avons une pensée toute particulière pour nos grands-parents, également notre oncle Eric qui ne peuvent pas être là, mais qui, on pense, serait très fier de vous. Et on va terminer ce long discours par 6 derniers mots. Soyez heureux envers et contre tous. Sincèrement, merci d'avoir partagé ce si beau moment avec nous tous, moment très fort lors d'un mariage. Famille, amis ici réunis, Jaina et Romain ont souhaité symboliser leur union à leur façon par un rituel. Un rituel vietnamien qui consiste à ce que 7 personnes désignées préalablement du côté du marié donnent 7 plateaux à 7 personnes désignées préalablement du côté de la mariée.
Il s'agit donc d'un rituel vietnamien qui, par l'échange de platons entre les deux familles, et donc qui contiennent des présents, symbolise le respect mutuel et le partage des valeurs. Les sept plateaux contiennent des cadeaux, des bijoux, du thé, des tissus. Nous allons procéder à ce rituel, s'il vous plaît. Approchez-vous. Proclamez votre envie de prononcer vos vœux devant votre famille et vos amis réunis. En présence de vos familles et de vos amis, je vous invite donc à échanger vos vœux d'engagement. Jaina, à ton tour, tu commences. Allô. Bonjour à tous, amis, famille. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous exprimer ma joie. Une joie de partager ce moment précieux avec chacun d'entre vous, famille, amis et proches. Une joie de vivre cet événement qu'est le mariage avec toi, Romain. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. J'aime chacune de tes blagues, chacune de tes anecdotes, mais aussi chacune de tes cicatrices et leurs histoires. J'aime ta sincérité, ta simplicité. J'aime tout simplement ta personne. Quelqu'un m'a déjà demandé pourquoi les gens se marient-ils. Par amour, par passion, c'est loin d'être une simple question. Eh bien parce que nous avons tous besoin d'un témoin de la vie. Parce qu'on se promet de se soucier l'un de l'autre, parce que le véritable amour n'est pas une fusion parfaite. C'est l'union de deux êtres imparfaits qui refusent de renoncer l'un à l'autre. C'est une définition digne de nous. Je nous retrouve tout à fait dans ces mots. Nous sommes totalement différents et pour autant nous avons su écrire notre histoire, car nous sommes tout à fait complémentaires. Tu as été et tu es toujours là pour moi, aujourd'hui encore. Je te promets à mon tour d'être là pour toi et je le serai aussi de notre futur. Dans tes projets, je te suivrai, de la diversité nous en avons, dans la complicité nous sommes et pour l'amour je dirai je t'aime. Il n'y a pas de toi sans moi, de moi sans toi. Il paraît que derrière chaque grand homme se cache une femme qui le soutient. J'espère être cette femme pour toi. Mes chers amis, famille, aujourd'hui, entourés de nos proches réunis et de ceux que nous aimons le plus, nous sommes ici pour célébrer notre union d'une manière qui nous ressemble, authentique et pleine d'amour. Nous sommes rencontrés au pays de la poutine, un plat dont le mélange n'est pas commun, mais qui matche bien avec un bon équilibre de saveurs. Comme pourrait le dire un des chefs d'émission Top Chef. Ce plat reflète à merveille notre couple. Nous ne sommes pas vraiment un couple ordinaire. Nous venons d'horizons différents, toi de la ville, moi de la campagne, avec des cultures également différentes, et encore plein de choses qui nous différencient. Mais ce mélange, enfin, notre mélange, fait notre force et notre bonheur.
Chaque jour passé à tes côtés est un enrichissement personnel. Chaque jour, tu me fais découvrir une autre petite partie de toi à travers tes coutumes familiales, par exemple, ou l'un de tes plats que ta maman a transmis, que je tiens à remercier. Merci, Antitou. Ça, c'est cool, hein. Cet enrichissement est un trésor à conserver et à développer. En cet instant précieux, je veux te dire que tu es mon équilibre, mon soutien, ma source de réconfort, ma force au quotidien et bien plus encore. Aujourd'hui, en me tenant devant toi, je veux célébrer notre amour comme nous l'entendons, c'est-à-dire l'harmonie, la fusion de nos deux cultures magnifiques en une seule famille. Nous savons que cela ne sera pas facile tous les jours, car l'amour est ainsi fait, avec des moments magiques, mais aussi des épreuves que nous devons surmonter. Ces moments, je veux les franchir à tes côtés. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te blessent. C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te pèsent. J'y suis pour rien, j'y suis pour rien, rien. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je t'aime, et par cette union, je crois en notre amour authentique et inconditionnel. Je m'engage à cultiver un amour fondé sur le respect mutuel, la confiance et la compassion. Je te promets de construire avec toi un foyer rempli d'amour. Aujourd'hui, je choisis de t'aimer et de te chérir pour toujours. Que notre amour continue de grandir et de s'épanouir. Je t'aime. Eh bien, bravo. Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Je vais à présent demander à Marielle et Sarah de les apporter, s'il vous plaît. Alors pendant ce temps-là, je vais vous éduquer un petit peu. Connaissez-vous la symbolique de l'alliance ? Lorsque l'on se marie, on fait alliance. D'où ce nom donné à cet anneau échangé lors du mariage. L'alliance est traditionnellement portée à l'annulaire gauche, doigt qui, selon une légende de l'ancienne Égypte, se trouve placé sur le chemin de la Vena Amoris, la veine de l'amour, qui mène directement au cœur. C'est beau, hein ? Jaina et Romain, en présence de vos familles et amis, échangez vos alliances, symbole de votre amour, de votre respect et de votre fidélité. Voilà les alliances. Romain, répétez après moi. Jaina, je te donne cette alliance. Jaina, je te donne cette alliance. En signe de l'amour que je te porte. En signe de l'amour que je te porte. Et je te promets d'être fidèle. Et je te promets d'être fidèle. Et de prendre soin de toi et de nos enfants. Et de prendre soin de toi et de nos enfants. Jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie. Jen, tu répètes après moi. Romain, je te donne cette alliance. Romain, je te donne cette alliance. En signe de l'amour que je te porte. En signe de l'amour que je te porte. Et je te promets d'être fidèle. Et je te promets d'être fidèle. Et de prendre soin de toi et de nos enfants. Et de prendre soin de toi et de nos enfants. Jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin de notre vie.
Jaina, Romain, je suis heureux de vous proclamer ici devant vos parents et vos amis, mari et femme. Romain, vous pouvez embrasser la mariée. Je tiens sincèrement à vous féliciter pour votre union. Je vous souhaite que votre amour grandisse encore tout au long de ces futures années. Je vous souhaite de multiples projets réalisés, des rêves à n'en plus finir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite surtout d'être vous, restez comme vous êtes. Je vais à présent demander à tous les témoins qui sont intervenus de nous rejoindre. Nous allons signer un certificat symbolique de mariage. S'il vous plaît. Alors, comme une cérémonie laïque ne se passe jamais comme on l'a prévu, il n'y a pas de stylo. Est-ce que quelqu'un aurait un stylo parmi vous, s'il vous plaît? Merci. Tu es notre sauveuse. Heureusement. Chacun vous tourne, marié. Chacun vous tourne, vous allez s'y mettre. Merci. Calme-moi, s'il te plaît, regarde-moi. Merci. Alors pendant ce temps-là, je vais vous inviter à vous placer au bout de l'allée, s'il vous plaît, afin d'accueillir les mariés à leur arrivée, lorsque tout le monde aura signé les certificats. On va tous se placer là-bas, à la sortie, s'il vous plaît. It's like finding a treasure that's always been hiding. The first time that I see inside it, I realize it's always been you. It's like
Merci.
Oh,